fidèle à son leitmotiv, cadre de concertation et de réflexion visant à diffuser et appuyer les actions du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le mouvement Trait d'Union a initié ce café citoyen sur le thème « Le vivre ensemble » pour sensibiliser les jeunes sur la cohésion sociale. Selon le conférencier Dimadoum Yanloum Touloum, le concept du vivre ensemble est défini comme une cohabitation harmonieuse entre individus ou entre communautés. Une volonté populaire de s'accepter dans un environnement diversifié. L'orateur, dans son intervention, a rappelé que deux facteurs nous imposent le vivre ensemble. Le vivre ensemble se construit par les valeurs républicaines partagées. Le concept vivre ensemble exprime la bonne entente qu'entretiennent donc les populations vivant sur un territoire donné malgré leurs différences. Et j'insiste sur l'aspect différence. Parce que le mal vivre ensemble trouve sa source dans la différence. Abdramane Bangbousso de renchérir que cette divergence socioculturelle est un atout pour le Tchad. Dans les échanges, les participants saisissent cette occasion pour saluer l'initiative du mouvement Trait d'Union pour le choix de cette thématique d'actualité. Selon ce dernier, la responsabilité est partagée à tous les niveaux. Les participants ont indexé les hommes politiques. Selon eux, les politiques sont à l'origine de cette déchirure du tissu social.